Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de ce Let's Play sur Sonic Mania. Et oui, Sonic Mania, enfin, il est sorti. Il avait été annoncé pour les 25 ans de Sonic l'année dernière et il est enfin là. Alors, qu'est-ce que c'est Sonic Mania si vous ne savez pas? Sonic Mania, en gros, c'est rendre à Sonic ce qui appartient à Sonic, au Sonic 2D, j'entends. Donc on va jouer sur la nostalgie et ça va être très orienté pour les fans, mais je pense que il y a moyen de découvrir Sonic par ce jeu-là, il n'y a pas de problème. Bon, très vite parenthèse, trois modes, le Mania Mode qui est mode histoire, le Time Attack qui a été débloqué seulement après avoir fait une partie qui correspond au contre-la-montre, et le mode compétition dont je n'ai aucune idée puisque je ne me suis pas trop informé sur le jeu, c'est vraiment une découverte. C'est tout. C'est tout ce qu'on a. On va jouer en anglais parce que je connais les noms de stages en anglais. Bon. Ne perdons pas de temps. Effaçons cette sauvegarde. Et on va jouer avec Sonic et Tails. Alors il faut savoir qu'on a le droit de jouer avec Sonic Cell, Tails et Knuckles qui ont tous les trois des gameplays assez différents. Sonic orienté sur la vitesse, Tails peut voler et Knuckles peut planer et casser des blocs. Et Sonic et Tails, Tails peut porter Sonic et Sonic peut l'élément de gameplay de base. Bon, perdons pas de temps et lançons-nous directement dans l'introduction. Et c'est parti, Green Hill Zone. Alors ça rappelle pas mal de souvenirs. Premier niveau de Sonic est reproduit à l'identique pour susciter la nostalgie. Le thème mythique. Si vous n'avez jamais joué à Sonic, très franchement, essayez au moins, passez peut-être par Mania, mais ça coûte rien de se procurer en émulation. L'expérience sera la même. Bon, jouez-y avec la manette s'il vous plaît quand même. Bon, c'est beaucoup de prérequis, mais ça vaut vraiment le coup. Alors, si vous ne connaissez pas Sonic, on va très vite faire une présentation brève. Le but, c'est d'aller au point qui est de l'autre côté de la map le plus vite possible. Il y a un timer en haut à gauche. Le scoring se fait en fonction du nombre d'ennemis que je tue. Ces ennemis qui sont en fait des robots du Dr. Eggman. Dr. Eggman qui les a transformés, enfin qui a transformé des petits animaux inoffensifs en méchants robots qui tapent Sonic. Si je rebondis dessus, ça les tue. Si je les approche comme ça, je vais perdre mes rings. Alors que si je leur saute dessus, alors que je suis en boule, ça va les tuer. De même, si j'appuie sur bas lorsque je cours, je vais me mettre en boule comme l'a montré Tails. Je peux aussi regarder en bas ce qu'il y a. Et si je mâche B, je vais faire un spin dash. Et on va interrompre la présentation des contrôles pour introduire les extra stages qui sont disséminés dans le niveau. Dans ces extra stages, il va falloir récupérer des boules bleues et des rings. Les rings constituent un timer qui va décroître au fur et à mesure, comme un timer j'ai envie de dire. Les boules bleues vont faire accélérer Sonic. Hop, vous voyez, il y a une petite barre en haut qui se remplit au fur et à mesure que je ramasse des boules bleues et qui va augmenter ma vitesse, ma match, là je suis en match 2, pour rattraper le Chaos Emerald qui est devant, qui est porté par une sorte de parachute ovni, je ne sais pas trop. Et pour pouvoir le rattraper, il faut que je sois au minimum en match 3, donc la troisième vitesse du jeu. Donc le premier niveau est assez simple, je pense qu'on va y arriver sans problème. C'est le suivant qui me pose souci, que je pense qu'il va y avoir des petits soucis parce que il y aura des obstacles qui vont faire perdre des rings.
Mais ça, on verra quand on y sera. Après, je crois qu'il en soit, reprenons la présentation des touches. Donc, Nilsson, acte 1. Donc, un autre truc que je ne vous ai pas montré, c'est... Ah merde. On va se poser un endroit, là voilà. Si je regarde en arrière, j'appuie deux fois sur B, Tails peut me porter. Bon, Tails vole plus facilement que quand il y a Sonic, c'est pour ça que quand on joue Tails tout seul, c'est plus simple de voler. Mais c'est assez pratique. Aussi, quand je me fais toucher, je perds tous mes rings, la totalité de mes rings, et c'est à moi de les rattraper. Et si je me fais toucher alors que je n'ai pas de ring, alors je meurs. Allez Tails, vas-y. Merde. Oh là là. Alors c'est tout à fait exceptionnel d'avoir un boss en acte 1, mais de ce que j'ai compris dans Sonic Mania, il y a des boss à tous les niveaux. Mais il n'y a pas d'acte 3. Dans les Sonic classiques, il y avait souvent 3 actes. Le troisième acte, au bout du troisième, il y avait un boss. Et on enchaîne directement, sans écran de chargement, avec la partie 2 de Green Hill Zone qui a été totalement remake. Déjà avant on a eu quelques travails, mais là c'est totalement nouveau. Et ça fait vraiment plaisir parce que je vous laisse écouter et profiter un peu une phase de gameplay. Je me tais, écouter la musique qui a été retravaillée pour l'occasion. Bref. Donc ça fait vraiment plaisir de voir tout ce boulot qui a été accompli. Hop, on va dessus Tails pour aller en haut. Alors il faut savoir que dans les Sonic, j'ai dit le principe c'était d'aller d'un point A à un point B, mais il y a plusieurs chemins pour y accéder. Souvent il y en a un haut, un en bas et un au milieu qui vont totalement changer de gameplay. Alors évidemment ça dépend des zones, je dis c'est général, des fois il y a des zones où il n'y en aura que un. Oula, j'ai failli mourir. Enfin, me faire toucher, je me suis fait toucher au final. Ça dépend des zones, des fois il n'y a qu'un seul chemin où tu es obligé de le suivre, mais souvent c'est le cas. Et en fonction du fait du chemin qu'on va prendre, par exemple si je prends le chemin de bas, je vais avoir un niveau aquatique, si je prends le chemin de haut, je vais avoir un niveau de platforming, et si je prends le chemin du milieu, je vais avoir un niveau de vitesse. Alors, on présente le méchant du jeu, le Dr. Eggman, le très célèbre. Oups, j'ai raté mon coup. Allez, viens. Bon, gros fail pour essayer de choper Tails, alors je ne fais pas fail du tout depuis le début, parfait. Hop. Et on peut le toucher deux fois, trois fois. Tails, oh, il est fatigué ce con. Alors oui, on peut pas rester infini en haut, hein, évidemment, Tails va un moment être fatigué et me lâcher. J'espérais. Merci Tails d'avoir attrapé ce ring qui va nous sauver tout simplement. Allez! Génial! Je me demande si il y a un endroit où on peut perdre au bout. Je pense que oui. Allez! Hop! Et on termine cette zone! Très très sympa cette petite animation. Bon, ce qui va se passer là, c'est que je vais faire une petite coupure et redémarrer le niveau pour aller vérifier le son, parce que j'ai pas envie de me faire avoir, c'est pas la première fois que j'enregistre cet épisode, pour ceux qui savent. Donc on se voit tout de suite après cette coupure. A tout de suite. Et donc
Nous revoici dans Chemical Plant, comme j'avais promis, donc je suis assez content du son, pour une fois ça va. Bref, ne perdons pas de temps et allons continuer notre découverte. Donc Chemical Plant, c'est un niveau qui apparaît dans Sonic 2, celui où il y a Tails, on ne me trompe pas, Sonic 2. Donc... Ah, une vie, ça, c'est appréciable. Pour éviter les game over, ce serait... plaisant. Alors, c'est une zone très urbanisée où il y a différents éléments de gameplay. Donc le premier c'est les tuyaux, le second c'est l'eau violette, donc tout simplement la présence d'eau parce que ça change rien à la présence d'eau. Le troisième c'est ces petites boules bleuâtres qui font mal quand on se fait toucher, merde. Ça me permet de montrer cette eau violette. Bon, basiquement, c'est pas un niveau que je porte dans mon cœur, bien que la musique est très cool. Alors, je rappelle, ou je précise, que rester dans l'eau très longtemps, c'est pas bon. Voilà, justement à cause de cette musique. Cette musique qui s'accélère au fur et à mesure, et si à la fin vous êtes encore sous l'eau après 10 secondes, vous perdez. Oh zut, j'ai pas pris les rings. Oh merde. Alors ça, c'est pas bon du tout. Non, 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 allez, allez, allez. Yes. Faire attention aux obstacles et prendre le maximum de rings. Parce que là, il nous a bien distancé le truc. Hop. Donc oui, si vous n'avez pas fait attention, je suis atterri dans un extra stage qui est un petit peu plus difficile. Mais pas trop non plus. Mais c'est suffisamment difficile pour moi pour rater tout. Alors attention, il y a des petits trous sur le côté si on fait du hors-piste. De toute façon, le hors-piste dans ce mode de jeu, c'est pas bon conseil. Je pense qu'on a assez de ring pour finir. Oh merde! J'ai failli tomber dans le trou. Allez. On a son petit ring pour la forme. Hop. Il faut que je rentre en match 3. Allez, c'est parti. On le rattrape. Yes! Et ça nous fait 2 Chaos Emerald sur les 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais. Très bien. Au moins, j'essaie toujours de compter. Et je me rappelle des classiques. Si on récupère les 7 Chaos Emerald, on verra bien ce qui se passera. J'ose espérer que ce ne sera pas un Super Sonic à la fin. Bon. Pour ceux qui connaissent, je préfère éviter d'en parler. Car Sonic a eu des belles heures avec Sonic 1, 2, 3, Sonic Adventure, petit retour et d'autres Sonic divers et variés mais assez rares, mais il a eu plus de moments durs que de bons moments. Allez, continuons notre découverte en rentrant dans ce petit tuyau. On devrait approcher de la fin du niveau dans quelques instants, je dirais il va encore y avoir un checkpoint. Et vous verrez, parce que j'ai déjà record sur cet épisode, je sais déjà c'est quoi le boss du second niveau, c'est vraiment cool. Alors très franchement, pour avoir fait ce niveau, je trouve vraiment bof, contrairement à la suite. Bon, il est très classique, mais vraiment lourd. Pour c'est le mot. Alors Tails, sous l'eau, il est un poil pas effectif du tout. Il sert plutôt à rien. C'est difficile de le choper et de l'utiliser. Pas de souci, pas de souci. Bon, là, il y a un passage où il faut pas se gourer et sauter sur la plateforme comme il faut. Ok, c'est bon. Et quand, lorsqu'on a passé ça, on est très proche de la fin. Hop. Alors je précise, durant ce let's play, là, comme je viens de le faire, je vais souvent laisser la parole au jeu pour apprécier la musique, parce que une des grosses particularités de Sonic, c'est quand même la musique, au-delà du gameplay, qui est vraiment très cool. Et nous avons fini le niveau là, super, qui est vraiment très cool.
Évidemment, il y aura des phases de commentaires, mais je me réservais ce droit de me taire pendant certains moments. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a une règle d'or sur cette chaîne, c'est ne parle pas pendant les cinématiques. Jamais je ne parlerai pendant les cinématiques. Parce que bah, je trouve que il faut conserver l'expérience de jeu au maximum, même si vous ne jouez pas. Puis ça me permet de plus me concentrer et de comprendre ce qui se passe. Donc là on a un petit boss assez classique. Il suffit d'éviter lorsqu'il est imbibé de la substance. Et on a gagné. Et c'est le moment où on va pouvoir apprécier le génie de ce second acte sur cette zone. Vous allez voir, c'est génial. Je vous laisse apprécier et puis on en parle après. Vous l'aurez compris, à chaque fois on va rajouter, donc en plus de remixer la musique de zone, on va rajouter plusieurs éléments de gameplay qui sont vraiment super cool. La présence du gel de portal, j'ai envie de dire, mais que pour sauter, pas pour accélérer et rien. Peut-être qu'il y aura ça dans la suite, je ne sais pas. Merde. Oula. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Bref, si j'utilise ces sortes de seringues pour les mettre dans du gel qui est a priori méchant, eh bien je vais obtenir un gel qui aura des propriétés différentes. S'il est bleu clair, alors merde. S'il est bleu clair, alors je pourrais sauter, enfin juste rebondir simplement dessus, mais s'il est vert, je vais être propulsé en l'air. Basiquement, si j'ai des trucs, en plus de ça, on a des différents effets de style, enfin. Effet visuel très cool comme les tuyaux qui tourbillonnent, les petits tremplins qui nous projettent, et aussi je ne sais pas si vous avez vu, il y a ces petites plateformes violettes qui sont comment dire, qui accrochent. Voilà celle-là. Et donc si j'appuie sur côté plus B, alors je vais sauter à la réaction, on prend ce tremplin. Bref, je trouve que ce niveau marche vraiment bien. Tout rentre directement dans l'ordre. Vraiment, on peut se laisser guider, mais pas non plus trop comme on pourrait le reprocher à certains Sonic, ou ne le reprocher à ne pas l'être assez dans certains Sonic. Ah oui, voilà, cette petite bulle d'ADN, c'est plutôt que j'ai oublié de mentionner. Ça fait vraiment cool qu'il propulse son corps à l'air. Hop. Donc le principe de Sonic, c'est d'aller vite, mais pas trop, parce que si on va trop vite, on risque de mourir. C'est un motto assez ironique, mais des fois vrai dans certaines zones. Pas toujours, hein, puisque je trouve que le gameplay, hein, le level design est assez intelligent pour que ça n'arrive que très rarement, et si ça arrive, on apprend et on reprendra pas. N'hésitez pas à ressortir cette ligne de dialogue plus loin dans le let's play. Merde. Allez, Tails. Bon. Hop. Plus loin dans le let's play, lorsque je n'arriverai pas à faire certains niveaux, que je pourrais souffrir d'une grosse honte. C'est ce que je redoute le plus, hein, c'est vraiment le skill. J'espère pouvoir terminer ce let's play et proposer quelque chose de qualitatif. Allez, on approche assez vite de la fin là, il me semble qu'il reste encore un checkpoint, voilà, l'avant-dernier checkpoint, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, je sais pas ce qui s'est passé, mais... Donc ça aussi c'est un vieux extra stage, Sonic 2 je crois, je sais plus, et il faut choper tous les trucs bleus. Voilà, j'ai réussi et je ne sais pas... Alors, je vous cache pas que je suis un peu
Je m'attendais pas à ça, ça m'est pas arrivé dans les autres versions de cette vidéo que j'ai record. D'ailleurs, j'ose espérer que ce que vous allez voir, c'est bien cette vidéo et pas une autre version. Et voilà le boss. Un match de Puyo Puyo contre Eggman, qui est une référence à un vrai jeu. Et pour ceux qui connaissent pas le Puyo Puyo, c'est pas comme le Tetris, le but c'est d'aligner, de réunir 4 Puyo de la même couleur, qui vont alors disparaître. Et ces Puyo, quand ils seront réunis, ils explosent et ils balancent un caillou à droite. Si vous regardez bien à droite, il y a un Puyo noir qui embête le Dr. Eggman, puisque en fait, ce Puyo, il ne peut pas le détruire sauf s'il fait une réunion près de lui, quoi. Je pense que j'ai du mal à m'exprimer sur ce coup. Bref, il va très vite perdre parce qu'il était clairement très très nul. J'aimerais bien vous le montrer, mais j'ai décidé de mettre mes combos à gauche. Le secret, comme certains diront sur YouTube, c'est de préparer ses combos sans blague. Ah, j'aurais peut-être pas dû faire ça. C'est pas trop grave. Plus qu'à réunir un jaune. Voilà, j'aurais pu réunir. C'est pas grave. Ah bah, hop, schlack. C'est ce que j'appelle un beau combo. Hop. Et la gravité prend effet sur les Puyo qui sont attachés, mais pas très vite. Et tu vas mourir maintenant, je pense. Toujours pas. Pourtant, regardez-le. Il est dans la merde. Allez, au revoir Dr. Eggman. D'ailleurs, petite remarque que je me fais, est-ce que c'est vraiment le Dr. Eggman qui doit faire ça? Ça aurait dû être Tails. Bref, cela termine notre épisode, qui aura duré une bonne vingtaine de minutes, et c'est ce que je compte viser, faire 2 zones par épisode, ça me paraît bien. En attendant, je vous souhaite une agréable suite de journée, et à la prochaine. Aussi, PS, dans l'épisode précédent, je vous ai réservé une petite surprise au début. Vous verrez.